Bonjour à vous. Et oui, je ne devais pas revenir, mais il y a une femme qui m'a écrit pour me dire comment puis-je contacter Coca-Cola, qui est le publicitaire majeur des Jeux olympiques, des JO de Paris 2024. Je trouve ça intéressant dans la mesure où c'est bien d'exprimer notre écœurantite aiguë et de s'exprimer constamment sur les effets que l'ouverture des Jeux olympiques nous a apportés personnellement et collectivement. Toutefois, c'est à travers le monde que les gens s'expriment contre cette façon de ridiculiser Jésus et toutes les personnes qui le prient de près ou de loin. Et même il y a des athées qui ont écrit en dessous de la vidéo comme quoi qui se sont sentis vraiment mal à l'aise face à tout ce qui s'est passé. Donc maintenant, je vous ai dit dans une précédente vidéo comme quoi qu'il y a une compagnie qui a retiré ses billes de ses publicités provenant des États-Unis, des JO face à tout ce qui s'est passé. Alors, c'est à nous de passer à l'action. Je sais que c'est plus facile de s'exprimer verbalement ou d'écrire sur son clavier que de l'exprimer clairement. Donc, je vous donne les adresses de Coca-Cola Canada et de la France, puisque ça vient de la France, toute cette baliverne qui a vraiment choqué beaucoup de gens à travers la planète. Donc, je vous donne les adresses écrites ainsi en dessous de la vidéo et je vous donne également le lien sur Facebook si parfois vous voulez écrire à Coca-Cola directement via Facebook. Et comme nous allons les envahir pour leur dire que nous n'acceptons pas que Coca-Cola soit relié à ces événements, eh bien, c'est à nous à passer à l'action, c'est à nous d'y voir, d'écrire et de pouvoir faire entendre nos voix. Et comme nous sommes des millions de personnes, eh bien, je vous demande, c'est rare je demande ça, mais partagez cette vidéo avec les adresses afin d'écrire à Coca-Cola massivement. C'est à nous d'y voir, c'est à nous de s'exprimer directement à le plus grand monnayeur des Jeux olympiques, Coca-Cola, et leur dire que nous n'acceptons pas comme quoi qu'il reste commanditaire et que nous allons les boycotter s'ils ne se retirent pas. C'est peu, vous allez dire. Oh, ça ne changera pas grand-chose. Mais rien ne change lorsque l'on ne fait rien. Ça va ensemble. Alors, je vous invite à écrire à cette compagnie et vous exprimer clairement et leur exprimer justement comme quoi que l'écœurement a été total et que Coca-Cola est relié à tous ces événements. Merci de vos présences, merci de partager cette vidéo, merci d'écrire à Coca-Cola, c'est très important de le faire. C'est bien de s'exprimer verbalement et sur le clavier, mais directement aux personnes qui, avec les moyens, justifient justement les salaires de ces gens qui ont bafoué complètement la religion chrétienne et également les valeurs humaines, car il y a des milliers d'enfants qui ont vu ça. Et que ça les a troublés. Il y a plusieurs personnes qui ont écrit comme quoi qu'ils ont dû fermer leur téléviseur parce que les enfants se demandaient qu'est-ce que c'est ça et les parents ne voulaient pas leur expliquer ce qu'en était. Alors, c'est à nous de passer à l'action. Voici les adresses que vous retrouvez à la fin de la vidéo, en dessous de la vidéo, avec le lien
pour Facebook et c'est à nous de s'exprimer clairement. Que la vie soit bonne et toute douce avec chacune et chacun de vous. Salut.